voulais dire merci à Dieu parce qu'il m'a délivré. Ça fait un mois de cela, l'évangile m'avait donné, j'ai des 5 jours secs, la vérification. Donc, quand il m'a donné, j'ai des 5 jours secs, j'ai dit à Dieu que 3 jours, 3 jours, 3e jour, il avait coupé gêne. Donc, le 2e jour, la nuit, il dormait. Et puis, je ne sais pas si c'était son jour ou bien c'était, je ne sais pas. Mais je me suis vue ici. Elle a la robe blanche, elle est Sephora. Il n'y avait pas encore porté pour moi. Et puis, Sephora m'a dit, hé, hey, Marie, tu ne portes pas ta robe. Il dit, je viens porter. Quand elle portait pour mes robes, là, la robe était sale. Ma robe était, elle était devenue noire, tout noire. Et puis, il a commencé à demander pardon à Dieu. Quand il demandait pardon à Dieu, ils m'ont redonné encore une robe. Quand il portait la robe, là, la robe est devenue blanche. Avec la lumière, quand ils marchaient, en même temps, tout le monde disait waouh, waouh. Maintenant, ils m'ont redonné encore une robe. Je portais et puis je suis sortie. Quand ils sortaient, ils marchaient sur la robe est défaite. C'était défait. En même temps, j'ai entendu la voix, on dit la voix, la robe est défaite. Et puis, il dit, hé, hey. En même temps, ils ont entendu autre voix encore. La voix m'a dit, je suis sûre que cette robe-là, ça passe et défait. Et puis, tout est revenu normal. Et puis, je me suis retrouvé ici encore. Il y avait un ange. L'ange m'a donné autre robe encore. Quand j'ai porté, et puis il y avait autre ange encore qui est descendu. Il est descendu à un cheval. Et puis, il m'a dit, allons. Quand il m'a dit, allons, je suis monté sur le cheval, on est parti. Quand on est parti, il est arrivé là, il a vu, il a écrit bon berger. Quand il est arrivé au ciel, il a vu, il a écrit bon berger. Et puis, il a vu Dieu, il était assis sur son trône. Quand il était assis sur son trône, il avait la lumière sur lui. Il ne pouvait pas bien le voir. Mais ce qu'il a permis qu'il puisse voir, c'est ici. Sa blessure qui est ici, son bras ici. C'est ça, il a permis qu'il puisse voir. Donc, quand il est vu, il ne pouvait pas le regarder. Même il voulait me prosterner sur ses pieds. Mais il ne pouvait pas. La présence qui est autour de lui, il ne pouvait pas. Donc, il me suis reculé d'abord. Et puis, il me suis prosterné maintenant. Il me suis prosterné maintenant. Il a commencé à me parler. Il a dit, les gens seraient étonnés de toi. Et puis il a dit que j'aime que j'ai mis, de considérer qu'il n'y a plus de réclamation. Il y avait un saut, on dit saut ici. Un saut ici. Quand il dormait, quand il dort, des fois il fait songe. On me poursuit, il veut me cracher sur mon front ici. Donc, quand il était arrivé au ciel, là, Dieu m'a dit, ils t'ont trop poursuivi avec. À cause de ça, il a changé, il a mis son doigt pouvoir. Il a vu pouvoir, il avait le pouvoir son doigt comme ça, il a mis sur mon front. Il a changé. Et puis, je me suis retrouvé encore de la Vierge Marie. Et puis, et puis Dieu, quand il me parlait ça, quand il le regardait, il me faisait ressentir ce qu'il ressent dans son cœur. C'est vrai qu'il a testé le cœur de Dieu saigne. À cause de notre comportement, notre manière d'agir, son cœur saigne. Il était assis, il me faisait ressentir ce qu'il ressentait dans son cœur. Il me faisait ressentir ça. Donc, il ne sait pas, mais il me faisait ressentir. De toute façon, on dit, il est écrit dans la parole qu'il regrette de nous avoir créés. C'est vrai. De toute façon, il est assis, on sent même qu'il regrette de nous avoir créés. Son cœur saigne. Le cœur de Dieu saigne. Et puis, il me suis retrouvé encore sur la Vierge Marie. Mais la Vierge Marie, elle était assise, elle a sa couronne. Elle s'est levée. Et puis elle dit, pourquoi vous m'adorez? Dites-les de ne pas m'adorer. Dites-les de ne pas m'adorer. Dites-les sur la terre de ne pas m'adorer. Dites-les sur la terre. Elle a insisté, elle dit, dites-les sur la terre de ne pas m'adorer. Elle a dit que de la manière où cherche Dieu pour aller au ciel, c'est de cette même manière, elle a respecté la voix de Dieu. Elle a respecté le ciel à respecter pour aller aussi. Pourquoi on l'adore? Que de dire, pourquoi vous l'adorez? Elle dit, de dire sur la terre, si pourquoi vous l'adorez, dites-le de ne pas m'adorer. Et puis, il me s'est retrouvé encore où notre maison se trouve. La maison a pété. Ça se trouve. Il me s'est retrouvé là encore. La cité a pété, un cri a pété même. C'est une seule maison qui a en lumière. Au ciel. C'est une seule maison. La seule maison, ça veut dire que Dieu a
ils ont commencé, mais ce n'est pas encore terminé. Il y a deux, c'est un peu en haut. Il y a deux, c'est en haut, mais ce n'est pas encore terminé. C'est une seule maison, il a vu sa lumière. Il m'a dit de regarder, il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas regarder la lumière. Il ne pouvait pas regarder la maison, parce que la lumière était trop forte. C'est où, c'est pas encore construit à y regarder. Parce que la lumière était trop forte. Et puis, de la manière il parlait, il était, son cœur était lui-même. Il dit, regarde votre maison. Et qu'il ne sait pas quelqu'un qui regrette même. Il dit, regarde votre maison, regarde votre maison, regarde. Donc, comme ici, on réveille. C'est pas comme même si je réveille en même temps. Je suis revenu à moi-même. Quand je suis revenu à moi, il a commencé à demander pardon à Dieu. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Donc c'est ça, il a vu. Et puis aujourd'hui, par exemple, Dieu nous fait la grâce de voir et puis demander à Dieu ah, comment le culte va se passer. Et puis il me montre. Donc aujourd'hui, à tout ce qui s'est passé, il m'avait déjà montré. Donc je lui rends toute la gloire. C'est tout. On ne peut pas parler de Seigneur. On ne peut pas acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Et cette expérience sera très très enrichissante. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Bien-aimés, j'aimerais rendre ce témoignage en fonction du thème d'aujourd'hui, qui est la négligence. La négligence. En tout cas, Dieu m'a fait grâce. Donc, depuis longtemps, il faisait des choses que je ne comprenais pas. À chaque fois que je trouve mes affaires, je constate qu'il y a des papiers bibliques dans mes affaires. Je ne sais pas pour qui a mis ça dedans. Et chaque fois que je demande ça, c'est pour qui a mis ça ici. Personne ne me répond. Partout où je vais me déplacer comme ça, il y a les documents bibliques qui apparaissent dans mes documents, et plutôt dans mes affaires. Et chaque fois, j'observe ça lui-même. Qui a mis ça ici? Donc, quand personne ne répond, pour moi, je prends et puis je lis. Et c'est comme ça que je lisais, j'apprenais sur Jésus, comment est-ce qu'il était, ainsi de suite, c'est comme ça qu'il faisait. Bien aimé, un jour, il y avait une jeune fille que je voulais. Donc je suis parti, dans le quartier, elle m'a invité à une veillée. Je ne voulais pas partir, mais comme je la voulais, donc je l'ai suivi. Dans l'église, quand je l'ai suivi, au cours de la veillée, vers les 3h, 2h comme ça, il y a le pasteur qui était là-bas, est venu prier pour nous tous. Il priait, comme à l'adoration, comme ça, et puis il priait pour les gens. C'est comme ça. Quand il est venu, il a mis sa main sur mon épaule ici, je n'ai rien vu. Je n'ai rien vu du tout. Je ne sais pas où est-ce que je me suis retrouvé. Mais je me suis retrouvé, c'est-à-dire quand je me suis retrouvé bien, j'étais au milieu des pasteurs, des prophètes là-bas, qui sont à la chair. Il dit, mais c'est quoi ça? La jeune fille que moi je voulais, elle était chante, elle était parmi les chantes. Or, c'est elle, moi, j'avais suivi. Après, le matin, on allait partir. Mais moi, je me retrouve au milieu des pasteurs. Et c'est là, après, l'homme de Dieu me dit, Dieu t'a choisi. Il veut que tu le sers. Je vous l'ai dit, quand je suis sorti de cette église, je n'ai plus mis le pied là-bas. La fille, elle-même, je voulais rester tranquille. Et elle donnait le nom. Donc, je continue ainsi ma vie. Et chaque fois, il y a des documents qui se retrouvent dans mes affaires. Un jour, un matin comme ça, ma main que vous voyez ici, main gauche là, ça a commencé à m'épauler. Quand je suis venu ici même pour la délivrance, les soeurs qui ont prié pour moi, et les soeurs que j'ai rencontrées aussi m'ont dit que c'était des dons que le Seigneur a mis à moi. Moi, il ne savait pas. Mais bien aimé, quand ça m'épaulait fortement, j'étais parti dans un village vers Ghana. Parce que ça me brûlait fortement, donc je suis parti. Quand j'ai demandé conseil, les gens m'ont conduit chez une femme qu'on vient quelque part là-bas. La dame dit que c'est un poison, ils l'ont mis en moi. Donc j'envoyais le seau, l'âme, tout ça, elle va faire médicament pour moi. Elle m'a déchiré sur le dos, j'envoyais le seau, elle a fait ce qu'elle pouvait faire. Mais bien aimé, la brûlure là était toujours là. Et quand j'ai quitté là-bas, ce village, je suis venu habiller ici. Ma grande soeur m'a appelé pour me dire qu'il y a son mari qui connaît quelqu'un. Quelque part là-bas, en plus là-bas, qu'il y a un féticheur qui peut soigner cette main-là. Qui brûle. Je suis parti. Mais quand vous ne savez rien du tout de la négligence, c'est pas bon. Et plutôt des dons de Dieu, c'est pas bon. Et c'est comme ça, donc là-bas, il a donc fait ce qu'il pouvait faire. Donc il m'a donné les médicaments. Quand je suis arrivé dans le village, il a fallu donc préparer ces médicaments-là. Mais il y a une dame dont j'enseignais son enfant qui m'a appelé, ici à Abidjan, qui m'a appelé depuis le village.
disant que Dieu me dit qu'il y a des médicaments que tu tiens en main, que tu veux prendre pour soigner ta main. Mais il faut jeter donc ces médicaments-là. Car ce qui prend dans ta main, ce n'est pas une maladie, mais c'est un don de Dieu. Tout ça, si je n'avais pas donc approché quelqu'un de Dieu, qui pourrait donc me donner ce conseil que ce qui prend dans ta main, ce n'est que le don de Dieu, je n'avais pas fait perdre ou de rendre visite donc à tous ces marabouts, féticheurs, combien, tous ces personnes chez qui je suis passé, pour pouvoir calmer ce qui brûle dans ma main, qui est un don de l'Éternel. Vraiment, j'ai négligé cela, je ne suis pas allé voir les dons de Dieu, voir les hommes de Dieu. C'est pourquoi il m'a dit donc que pour tous ceux qui sentent être quelque chose de bizarre comme ça, qu'ils approchent même des hommes de Dieu, on ne sait jamais. Là, la personne qui est bien posée peut te dire, ça, et tout ceci est un don de Dieu, et puis donc tu vas arrêter d'aller donc chercher donc, la guérison ailleurs. Alléluia. C'était juste mon témoignage que je voulais donc. Merci. Donc il appelle ici la soeur Afia, c'est ça? Alléluia. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je bénis vraiment le nom du Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour ma vie. Parce qu'il m'a délivré de la monde de la sorcellerie. Il m'a élevé dans le monde des ténèbres. Il m'a fait asseoir à la table des rois. Amen. Je bénis vraiment son nom. Vraiment, avant, quand je partais à l'école, je ne vivais pas d'abord avec ma maman, mais je vivais avec ma tante. Et je partais à l'école. En classe de CM2, j'étais en classe de CM2, mais il y avait une camarade que chaque jour quand on partait à l'école, on partage. Mais je ne savais pas qu'elle était sorcière. Et un jour, quand je partais à l'école, ma maman ne m'a pas donné l'argent ce jour. Je suis partie à l'école et j'ai coupé le pain. Il a dit comme le pain m'a donné et j'ai mangé. En mangeant le pain, c'était froid qui était dedans. Mais la foi était le droit de l'homme. Et j'avais mangé. Et quand j'avais mangé la nuit, j'ai dormi. C'était comme si mon âme elle a sorti. Elle est venue me chercher dans le nuit. Et elle est partie avec moi. Et en partant, j'ai vu des forêts avant de trouver Satan. Avant de trouver Satan. Donc, arrivée là-bas, elle a dit, Majesté le roi. Et moi aussi, je me suis apaisée, j'ai dit. Et c'est là, elle m'a dit, ici, elle a commencé à me montrer les maisons, Satan a commencé à me montrer les voitures, les avions. Bon, là-bas, c'était un autre monde, c'était pas comme ici. Mais elle a commencé à me montrer les choses. Et j'ai dit, j'ai compris. Et elle a dit, pour remplacer les droits de l'homme, je dois tuer quelqu'un dans ma famille. Et c'est là que j'ai tué ma grand-mère. Ma grand-mère n'était pas malade, mais je l'ai tuée. Côté de ma maman, je l'ai tuée. Et c'est là qu'ils m'ont retiré le doigt de l'homme. Alors, ils m'ont pris le doigt de l'homme. Et quand ils ont fini de prendre le doigt de l'homme, c'est là que je suis devenue bien en forme pour m'en former. Satan me formait. Et je me transformais en beaucoup de choses, en chien, en serpent, en... Quand je me transformais avec beaucoup de choses et je partais. Et à chaque fois, je fatiguais ma tête. Quel était ton grade là-bas? Tu étais quoi? Tu étais quoi au niveau de la société? J'étais secrétaire pour marquer les églises du monde entier. C'est ce que Satan m'avait donné. On va acclamer. Voilà, deux secrétaires de Satan ici. Deuxième secrétaire de Satan. Continue. Et c'est ce qu'il fait, il marque les églises sataniques. Il marque les églises avec les choses sataniques. Bon, il y avait beaucoup d'églises que j'ai marquées. J'ai marqué beaucoup d'églises sur le monde entier. Et je faisais ça, je marquais les églises. Quand je partais dans les églises, qu'ils m'envoyaient, il y avait des mèches. Et ils me disaient tout ce qui est mèches, les bouts d'oreilles, les venus, faux, tout ça ne vient pas de Dieu. Là où on se trace les longs, c'était le compte de Satan. Et ce n'était pas bon. Et c'est ce qui m'avait dit de marquer les églises. Et quand je partais, je marquais les églises. Comme ça, je marquais les églises. Jusqu'à à ce qu'on va chez mon pasteur. Et ce gars-là, je suis. C'est mon pasteur. Le pasteur de ma maman. Et quand on est venu, le sorcier de l'église, il y avait le sorcier de l'église, ils ont commencé à me dire que j'essayais de.
tenter le pasteur, mais il ne craint pas. À chaque fois, il le frappe, mais il ne craint pas. Que si moi, je peux faire. Et je suis retournée dans le monde des ténèbres, j'ai demandé à Satan, il m'a donné des pouvoirs. Et je suis partie, c'est comme cela. La nuit, la femme et son mari dormaient, et je suis partie. Je suis sortie de nuit. Mais pour l'attraper, pour l'attaquer, je ne pouvais pas. Parce que je sens que c'est un homme de Dieu puissant. Et je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Et j'ai dit que je ne pouvais pas. C'est là qu'il dit à Satan que je ne peux pas. Il dit comme je ne peux pas, c'est que je vais tuer ma maman. Il dit non, je ne pourrais pas tuer ma maman. À chaque fois aussi, comme maman prie, elle prie pour moi. Parce que mon école, depuis que je partais, j'ai donné mon intelligence. On dit, je vais donner quoi de moi-même, sans mon intelligence est donnée. Et je suis partie à l'école, je ne connaissais rien. Donc maman prie toujours pour moi. Seigneur, quand ma fille va avoir son bac, quand ma fille va avoir, c'est que si elle prie toujours pour moi. Et c'est comme ça, maman avait l'amour pour moi. Quel que soit tout ce que je veux, maman paie. Mais quand maman prie pour moi, à cause de ça, pour tuer maman, je n'ai pas pu tuer maman. Je n'ai pas pu tuer maman. Mais c'est maman qui m'a sauvée. Et étant là-bas, j'ai attaqué le pasteur, je n'ai pas pu. Les uns m'ont frappé. Les uns m'ont frappé, je suis tombée malade. Et là, je partais dans le monde de la société. Quand je partais, je ne pouvais pas partir. Et je suis partie en retard. C'est là, Satan m'a dit que les principes qu'il m'a donné, moi, je ne suis plus ça. Que pourquoi je fais ça? Que si je recommence à me tuer, parce que j'avais la grâce de Dieu sur moi. Parce qu'à chaque fois que maman prie, elle demande à Dieu, n'a qu'à me surveiller. Et c'est ce qu'elle disait à Dieu. Et là, Satan ne m'a pas eu pour me tuer. C'est là que j'ai coupé le relais avec Satan. Je n'ai pas pu marcher avec une bouche. Et quand on commence à prendre, parce que quand on est gravement malade, on dirait que je vais mourir. Il a appelé maman, ma mère est venue. Et on est parti dans l'église, on a prié. On a encore prié pour moi, on me frappe dans le monde des ténèbres. On a encore prié pour moi, on me frappait. Et je ne pouvais pas, j'ai dit la vérité à le pasteur. Et il dit, si tu te confesses, Dieu va t'aider. Je lui ai dit toute la vérité, il a dévoilé Satan. Et quand il a dévoilé Satan, il dit, va me tuer. Il avait attaché mon âme. Il dit, je ne vais pas faire 3 jours, je vais mourir. Et c'est là, notre pasteur, il a dit qu'on connaît un coin de délivrance. Ici que quand on vient, on ne se paie pas, on délivre les gens. Et c'est là, il a appelé maman Ruth. Il a appelé maman Ruth sur son téléphone. C'est maman Ruth, tu nous as pris. Et quand on a appelé maman Ruth, elle dit que on peut venir. Mais il y a beaucoup d'hommes, donc on peut venir. Donc c'est ce jour, on n'a pas pu venir, mais elle a dit on peut venir, mais on n'a pas pu venir. On a attendu et on est venu après. Et en faisant. Bon, prochainement, il va avoir mon témoignage. Quand on ne peut pas dire ça, d'un coup. Continuez un peu, mais là, Quand tu as arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Gloire à Dieu. Il faut juste écouter, rendre court. Elle aura le temps de donner le témoignage. Gloire à Dieu. Voilà. Alors. Bon, lorsqu'on venait, on a raté. Je voulais juste dire quelque chose. Elle a dit quelque chose tout à l'heure qui est poignant. Elle a dit que sa maman, elle n'arrivait pas à attaquer sa maman parce que sa maman faisait tout pour elle. Et sa maman avait l'amour pour elle. Vous savez, pour détruire les œuvres des ténèbres, il faut manifester l'amour. Quand vous manifestez l'amour, un sorcier ne peut jamais vous toucher. Et tout à l'heure également, elle a dit que sa maman priait pour elle. Sa maman priait pour elle. Et que le diable, malgré tout, n'arrivait pas à outrepasser ou alors la tuer. Quand vous priez pour vos enfants, ne pensez pas que Dieu n'entend pas. Dieu entend. Mais Dieu attend le temps. Gloire à Dieu. Dieu attend le temps. Il est important de prier pour vos enfants. Que le Seigneur nous bénisse. Et c'est là qu'on venait. Le vendredi qui suivait, il devrait mourir. Mais le convenait, lundi, on a reçu 3 accidents. Mais ça n'a pas atteint. Ça ne nous a pas arrivé. Et on est arrivé ici. Lorsqu'on est arrivé ici, j'avais peur. Parce que c'est l'église que je ne pouvais pas attaquer dans le monde des ténèbres. C'est ça que je ne pouvais pas marquer avec le sceau satanique. Et qu'on avait aussi le feu, de loin même, je sentais déjà le feu, pharmacien viateur.
je sentais le feu. Et je venais, il y avait beaucoup d'anges. Et il y avait un ange qui était devant la porte. Elle a été délivrée là où on était, de l'autre côté, il y a longtemps. Gloire à Dieu. Et il y avait un ange qui était grand comme ça, arrêté devant. Quand je l'ai vu, j'ai eu peur. Je suis allée derrière ma maman, il faut que je parti. Il dit d'accord, maman. Et c'est comme cela, elle est rentrée. Elle dit, maman, venez, elle dit, viens. Et je voyais le feu, l'ange est là. Et c'est là, l'ange a dit de venir, de rentrer. Et le feu s'est abaissé. C'est là que je suis rentrée. Mais quand je suis rentrée, le feu s'est enflammé. Et il y avait des anges. Dieu, gloire à Dieu. Dieu, dans son travail, dans son amour, il peut même vous mettre devant un sorcier et puis éteindre le feu qui est sur vous pour amener le sorcier à ne pas avoir peur de vous. Gloire à Dieu. Mais il le fait selon sa gloire. Gloire à Dieu. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient le feu, ils fuient. Donc Dieu même peut éteindre, amener le sorcier à collaborer avec vous et par la suite lui montrer sa présence. Gloire à Dieu. Il fait ce qu'il veut, comme il veut. Et quand je suis arrivée, c'est papa Israël qui a fait ma confession. Même malgré que tu as assis sur les chaises qu'on voit là, ce n'est pas dans le monde physique, on voit ça comme chaise. Mais dans le monde spirituel, c'est feu. C'est feu, on voit. Quand je suis assis, il me dit, mais pourquoi tu tournes? Et ton suivant, il dit à rien. Et je lui disais la vérité. Et pendant qu'on fait la confession aussi, on dit la vérité. Pendant que il disait la vérité, l'ange était derrière et écrivait. Et quand je veux mentir, il dit non, faut pas mentir, Dieu va t'aider. Tu ne vois pas comment il éteint le feu. Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous aime tellement, il nous aime tellement. Elle voulait mentir, mais l'ange lui dit non, il ne faut pas mentir. On va t'aider, Dieu va t'aider à sortir de là, il ne faut pas mentir. C'est la même chose que Christ Espoir, c'est la même chose que l'autre aussi. Il y a plusieurs ici. Quand on fait la confession, il y a des anges qui sont autour et qui notent. Ce qu'on vous dit, les anges notent. Ce que vous dites, si vous dites oui, les anges notent. Mais si vous dites oui alors que votre cœur est non, les anges notent. Pour qu'au dernier jugement, vous n'alliez pas devant le Seigneur pour lui dire non, on ne m'a pas dit. Gloire à Dieu. Donc faites attention. Quand on fait les cultes, ce n'est pas des choses simples. Ce n'est pas pour le bon vouloir du pasteur. C'est parce que Dieu note tout ça. Et quand vous ne dites pas la vérité, quand vous ne dites pas la vérité dans le monde spirituel, c'est comme si vous étiez en train de dire à Dieu, je ne veux pas ma délivrance. C'est tout. Parce que les esprits qui sont attachés à ce péché-là, à ce mensonge-là vont rester, ne peuvent pas sortir. Le monde spirituel travaille sur des principes bibliques. Quand vous êtes dans la vérité, quand vous approchez de Dieu, quand vous lui demandez sincèrement pardon, il vous prend à lui, quel que soit le démon, je répète encore, quel que soit, même si c'est le grand-père de Satan. Gloire à Dieu. Je sais de quoi je vous parle. Et c'est comme ça, quand j'ai fini, il est monté, les anges sont partis. Et avant même que papa Israël va venir faire ma confession, il y avait beaucoup d'anges derrière lui. Beaucoup d'anges. Ils sont grands comme ça. Il y avait les épées dans leurs mains. Quand je les voyais, j'avais peur. Mais il me disait, papa, il veut avoir peur. Et c'est comme ça, les anges sont partis. Et maman lui a dit, 5 jours de jeûne sec. Et elle fait les 5 jours. Mais avant de faire les 5 jours, Satan avait dit, va me tuer vendredi. On a arrivé le samedi. Le jeudi. Satan, c'est un menteur. C'est un vrai menteur. On a arrivé un mercredi. Mercredi, on a fait le culte du matin. Jeudi. Et j'étais là, je pleurais. Il dit, Seigneur, mon âme est attachée là-bas. Ils vont me tuer. Ta mère t'a dit, tu vas m'aider. Il faut venir à mon secours. Et c'est comme ça que je pleurais. Maman me demandait pourquoi elle pleurait. Je me glissais, je pleurais. Et c'est comme ça le vendredi. Il a dit vraiment merci à Dieu parce que là, ça m'a touché. C'est là que j'ai vu que Dieu ne laisse pas ses enfants. Et le vendredi, je ne suis pas morte. La grâce de Dieu, mon âme est revenue.
Je ne suis pas moi, mon intelligence. Ça va bien. Et celle-là, il a fait mon jeune. Il y avait beaucoup d'esprits. Ils l'ont chassé. Et le cinquième jour. Quels étaient les esprits qui étaient en toi? Des exemples. Il y avait l'esprit de serpent. L'esprit de serpent avec la sirène des eaux. Elle était là et j'ai travaillé aussi pour la sirène. Et il y avait encore des démons dans mon corps aussi. Les démons géants, les anges de chute. Il y avait ça aussi. Et ton bas était comment? Mon bas, c'était pas encore arrivé à queue de poisson. C'était pas encore arrivé. Mais ça venait. Mais c'était pas encore arrivé à queue de poisson. Et c'est comme ça, j'ai fini. Et on allait voir mon enfant, lui a dit non, de continuer le sixième jour. Et il a dit à Dieu, mais pourquoi moi je ne suis pas délivré? Tu dis, tu vas me délivrer. Et puis de plat, tu ne me délivres pas. Et j'ai commencé à pleurer. Le sixième jour, qu'est-ce que tu entends ça? Sixième jour, il a pleuré pour moi une fois. On dit rien. Deuxième fois, ils n'ont dit rien aussi. Et mon enfant lui a dit, je peux couper. Et c'est là, j'ai dit vraiment merci à Dieu. Parce qu'il ne m'a pas laissé. Il est là avec moi. Et on est venu ici. Je suis rentrée d'abord à l'intercession. J'allais à l'intercession. Elle est entrée à l'intercession. Elle était très régulière. 7 heures de prière par jour. Gloire à Dieu. Après la délivrance, il faut le temps du remplissage. Grandir spirituellement. Donc elle faisait 7 heures. Elle n'avait jamais raté rien, c'est ça? Vous savez, ceux qui étaient dans le monde spirituel, quand on leur dit de prier, là, ils savent. Ils connaissent bien le spirituel. Mais le commun des mortels, quand on leur donne des directives, les gens s'en foutent carrément. Les gens se disent, bon, c'est la vie, on n'a pas le temps. Quelqu'un qui était dans le monde spirituel, il respecte les principes spirituels. Il ne joue pas avec les principes spirituels. Et Satan ne prend pas n'importe qui pour en faire sa secrétaire, ou bien son secrétaire, ou bien son protocole, ou bien son remplaçant, ou bien je ne sais pas de quoi il s'agit. Gloire à Dieu. Satan ne prend pas n'importe qui. Quand vous avez une forte grâce, Satan récupère cette grâce-là par la faute des parents. Parce que les parents n'ont pas envie d'aller à l'église. Si elle partait à l'église régulièrement, il n'y aurait pas toutes ces choses-là. C'est parce qu'elle ne connaissait pas Dieu. Sinon, la nourriture qu'elle a mangée, elle aurait prié dessus. Gloire à Dieu. Donc, on peut laisser ça là. La prochaine fois, tu auras le temps de... Gloire à Dieu, acclamons le Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Je voudrais dire vraiment merci à Dieu. Je voudrais dire à Dieu merci pour tout ce qu'il a fait pour moi. Parce que les années passées, en ce moment, je n'étais pas vraiment en bonne santé. Parce que j'avais beaucoup de maladies. J'avais la coléopathie. Et je n'avais pas dit ça dans ma confession, mais j'avais le cancer de l'utérus qui commençait. Mais mes parents ne savaient pas. Je sentais des saignements, je sentais que je n'allais pas bien. Ma maman était petite et puis Dieu l'a choisi. Elle a commencé à servir Dieu. Et donc, dans ma famille, on adorait de l'homme. Mais donc, quand ma maman a commencé à servir Dieu, tout le monde s'est donné au Seigneur. Maintenant, mon homme avait décidé que quand il allait venir au monde, c'était moi qu'il allait prendre pour me servir. Ma maman ne savait pas, moi aussi, je ne savais pas. Mais avant ça, il y avait beaucoup de Dieu, j'ai toujours Dieu, parce que Dieu m'avait montré l'enfer et puis le paradis, donc je savais que Dieu existait. Et un matin, mon grand frère allait à la maison et m'a dit, grâce. J'ai lu la Bible et j'ai vu que les femmes passent des prières. Et puis il dit, oh, ce que tu dis, c'est faux. Que depuis on est petit, on va à l'église pour des cordes. Il ne nous a jamais dit ça. Donc j'ai commencé à prier, j'ai demandé à Dieu. Et Dieu m'a dit que si tu n'enlèves pas la boucle d'oreille, même si c'est petit, parce qu'il ne te restait pas, il me confie. Si tu n'enlèves pas ta boucle d'oreille, tu vas aller en enfer. En même temps, j'ai plus peur. Et j'ai enlevé ma boucle d'oreille. Quand j'ai enlevé ma boucle d'oreille, j'ai commencé à chercher les témoignages sur les réseaux sociaux. Et puis je suis tombée sur le témoignage de Sophia. Et puis j'ai regardé le témoignage, maintenant j'ai appelé papa. Maintenant papa, il n'avait pas pris le retour. Et puis un jour comme ça, il ne sait pas comment il a fait pour trouver mon numéro. Il peut m'appeler. Quand il m'a appelé, il m'a dit que vous avez insisté sur le numéro. Et Dieu lui,
Il m'a dit, si tu veux venir, il faut venir aujourd'hui même. Donc quand je me suis décidé à venir, en même temps, je me suis senti faible, je ne pouvais plus marcher. Il dit, Seigneur, c'est toi, tu veux que j'aille dans ce lieu, accompagne-moi, donne-moi la force. C'est comme ça que j'ai eu la force tout d'un coup. Et j'ai dit à mes parents que je veux partir dans un coin pour faire ma délivrance. Et mes parents ne me laissaient jamais partir quelque part. Mais ce jour, je ne sais pas ce qui s'est passé. Ils ne connaissaient pas la main des prières, ils m'ont laissé venir. Et quand je suis arrivé, ils ont fait ma confession et ils ont commencé à prier pour moi. Et toutes les maladies que j'avais, la colopathie, l'ulcère, j'avais tellement de maladies. Jusqu'au moment où mes parents m'appellent, mes démons, est-ce que ça va? À l'école, on m'appelait pharmacie parce qu'il y avait un gros sac de médicaments. Chaque jour, je partais avec ça à l'école. Mais Dieu m'a guéri. C'est pour te dire. C'est pour te dire que quelle que soit la maladie que tu as, quelle que soit là où tu es, Jésus peut te guérir. Parce que mes parents ne savaient pas. Et je pouvais mourir. Parce que, avant d'arriver ici, je n'ai pas dit que je suis un bon médecin. Il m'avait donné un traitement de tout ce qu'il avait. Chaque semaine, je lui fais une portion de médicaments. Et lui, pourtant, ce n'était pas facile. Mais quand je l'appelle dans les mains, avec des prières, depuis ce jour, je n'ai plus jamais repris un médicament. Et je vais très bien. Gloire soit en Dieu, Seigneur, pour le Seigneur qui nous dit ça. Je me suis écrit par la grâce de Dieu. Maintenant, je sais tuer. Et j'ai donné ma vie au Seigneur. Mes parents m'ont dit, pourquoi est-ce que je vais servir Dieu? On m'a envoyé pendant que les écoles d'architecture, pourquoi je vais servir Dieu? Mais ils n'ont pas dit. La maladie que j'avais, ils ont dit, je ne savais pas ce que Dieu avait pour moi. Je ne savais pas. Toute ma vie, je vais servir Dieu jusqu'à la fin de mes jours. Et je suis dans la délivrance et je pense. Gloire à Dieu, que le Seigneur te bénisse. Je vous dis merci à Dieu. Que le Seigneur soit bénisse. Et je vous ai dit pendant le culte qu'on priait et que Papa David dirigeait. Il dit au même culte qu'on fait au ciel aussi. Il voyait les anges ont été transportés, les gens, ils montaient avec eux. Et j'avais commencé à danser la danse des anges. Et puis je voyais les anges aussi. Ils dansaient devant le trône de Dieu. Quand tu viens dans la présence de Dieu, ça te disposait. Parce que tout ce qu'on fait ici, là, c'est vraiment réel. Tout se passe au ciel. Parce que j'ai vu le trône de Dieu. Je voyais les 24 vieux autour. Je voyais les 4 vieux. Je voyais comment est-ce qu'il adorait. Quand tu adores Dieu, tu adores Dieu de tout ton cœur. Parce que tu es un Dieu puissant. Quand tu es dans sa présence, tu ressens de l'amour, la crainte. Il y a la puissance de Dieu au-delà de toute puissance. Quel que soit ton cas, si tu veux venir ici, n'aie pas peur, parce que je crois et j'ai l'assurance que Dieu peut faire tout ce que tu veux. Amen. Gloire à Dieu, merci maman. Tiens, que le Seigneur te bénisse. Amen. On a dit deux témoignages. Et Dieu passait les têtes. Alléluia. Bienvenue ce matin, j'ai béni le nom du Seigneur Jésus. Pour ce qu'il fait dans ma vie. Laisse. Pendant le samedi d'hier, j'étais couché. J'étais couché. Et puis, le songe que j'étais en train de faire, j'étais sorti. Dans le songe, j'étais sorti avec ma soeur Audrey. On était parti, on s'assoit au kiosque comme ça, en train de causer. Et puis, tout d'un coup, la trompette a sonné. Maintenant que la trompette a sonné, elle dit, ah, André, il y a le son, la trompette a sonné. Tout d'un coup, le feu a comme ça descend du ciel. Tout parmi était du feu. Le feu a comme ça descend. Et j'ai pris peur. La tête tremblait, le tonnerre tout. Tonnerre, ça peut prendre très grande longueur, mais la jeune même. Le tonnerre comme ça a grondé. Et puis la voix me disait comme ça. Le temps est proche. La fin du monde est proche. Il n'y a plus assez de temps. Gloire soit rendue à mon Seigneur. Amen.
Je veux dire gloire à Dieu. Ça concerne ma mère. Et je tenais à dire merci au Seigneur de m'avoir permis de connaître cette communauté. Alléluia. Je passais mon temps, quand j'étais petite, je priais. Je peux commencer à 18h. Prier jusqu'à 4h du matin. Et j'avais perdu ce repère à cause des liens de famille. Et donc je cherchais une communauté. Parce que c'est vrai que je suis dans mon église. Mais par la grâce de Dieu, en force de toujours méditer la parole de Dieu, j'ai découvert beaucoup de choses que je suis habituée à la nature. Je ne portais pas des choses, des chaînes. Tout ça, je ne portais pas. Mais quand les gens me donnaient, je portais. Mais d'une manière consciente, je savais. Qu'est-ce que Dieu va faire? Donc, depuis ce jour, je me suis donné au Seigneur. Ma mère a commencé à me détester. Elle me disait que si je savais que toi, tu allais devenir comme ça, j'aurais dû t'avorter. Amen. Donc, j'étais tellement dans l'angoisse, je pleurais chaque fois. Je partais même à l'école, je n'avais rien à manger, je ne me donnais rien. Mon père partait au champ. Il ne savait pas ce qui se passait, mais je ne pouvais pas lui dire. Et voilà que moi aussi, j'ai vu quelque chose à l'église depuis, je vais survoler. Depuis, le Seigneur s'est révélé à moi d'une manière, je ne sais pas comment l'expliquer. Le jour viendra, je vous expliquerai. Mais quand le Seigneur a commencé à mettre son amour dans mon cœur, je partais à l'école, mais je faisais mon temps de toujours donner cadeau à ma mère. Mais dans le fond, l'esprit possédait le corps de ma mère pour me tuer. Mais la grâce de Dieu m'a permis de résister jusqu'à ce jour. Alléluia. Mais aujourd'hui, je suis en train de survoler. Aujourd'hui, ce que le Seigneur va faire, après ma délivrance à l'église APD, qui était à Saint-Viateur, ma mère m'a dit, je commence à retrouver le feu qui était allumé et qui était éteint en toi. J'ai dit, quel feu? Elle dit, avant quand tu priais, je voyais le feu, mais aujourd'hui, tu deviens encore plus enflammé que ce Dieu-là. Aujourd'hui, moi, je vais me donner à lui. Amen. Ma maman qui ne m'aimait pas, si vous voyez sur mon front, elle a failli casser ma tête. Mais aujourd'hui, ma mère, elle s'est donnée vraiment au Seigneur, mais pas totalement. Donc, je bénis le nom de Dieu pour cela. Dès le moment de ma délivrance, après les 5 jours, je suis partie à la maison. Je me suis sentie libre. Il m'a dit, ce ne sont pas ceux qui ont prié pour toi qui t'ont délivré. Amen. Mais c'est moi l'Éternel. Et l'Esprit est parti. Il dit, c'est à cause de mon serviteur. Ce n'est pas pour donner gloire à l'homme de Dieu, mais en toute humilité, ce que le Seigneur m'a dit, bien-aimé, je le dis. Il dit, c'est parce qu'il a oué. Je ne connais pas sa communion avec le Seigneur. Il s'est débarrassé, en tout cas, il s'est débarrassé de toutes choses. Et il s'est donné corps, âme, esprit pour le Seigneur, pour lui. Donc le Seigneur dit, toute parole qui sortira de sa bouche, le Seigneur honore. Donc lui, il s'est mis à part pour le Seigneur. Donc il a oué toutes ses servantes et ses serviteurs pour aller chasser les démons dans le corps de 10 personnes. Et les démons sont obligés de se soumettre à cause de l'alliance qu'il a avec son serviteur. Alléluia. Bien-aimé, je dis Seigneur, donc souviens-toi de tes servantes qui font ton œuvre. Il a dit, ce n'est pas parce que elles sont en train de faire mon œuvre qu'elles iront toutes au paradis ou qu'elles iront tous dans mon royaume. Celui qui met en application ma parole, celui qui fait ma volonté, celui qui me sert en esprit et en vérité, moi, le Seigneur, je me laisse trouver. J'ai commencé à pleurer. Ce jour, j'étais venue ici. Je n'ai pas dormi. J'ai pleuré pendant 3 heures du temps en train de prier. Demander la grâce de Dieu à ses servants et ses serviteurs. Bien-aimé, il a dit, souviens-toi que j'ai dit que j'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Proverbe 8, verset 17. Il m'a interpellé cela. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, intercède pour eux. Qu'ils essaient de voir le caractère. Qu'ils me servent en toute humilité. Et qu'ils soient obéissants envers mon serviteur. Donc je suis en train de vous dire, c'est sous la grâce que tout et chacun de nous est dans ce lieu. Sinon, ce n'est pas possible que nous soyons en train de servir Dieu. Il peut susciter des pierres pour faire sa volonté.
Donc si nous avons la grâce de faire son œuvre, tu finis de prier pour quelqu'un, je te demande pardon en tant que serviteur ou servante ici. Prends le temps de t'approcher d'une manière personnelle avec le Seigneur. Dis à Dieu, Seigneur, regarde mon cœur. Est-ce que je suis dans ta volonté? Si je ne suis pas dans ta volonté, dépouille-moi. Révèle-moi ce que je ne sais pas de toi pour que je puisse mieux me positionner devant ta face pour te servir. Sinon, de toi-même, bien-aimé, tu vas tomber. Je dis, mais qu'est-ce qui va faire cela à ses servantes et ses serviteurs de s'approcher de toi? Il dit, n'ai-je pas dit que ce livre de la loi ne sera point de ta bouche? Mais dites-le jour et nuit, c'est alors que tu me verras. Alléluia. Que le Seigneur fortifie ses servantes et ses serviteurs en ce moment. Maintenant, pour les gens qui viennent pour leur délivrance, voilà ce que le Seigneur m'a dit de vous dire. Il y a certaines personnes qui sont ici qui n'ont pas du tout d'argent, ils n'ont pas du tout de famille, ils ont été abandonnés. Mais le Seigneur seul t'a guidé jusqu'ici. Bien-aimé, ce n'est pas par hasard. Tu peux servir Dieu avec ton corps, tu peux servir Dieu avec ta bouche, tu peux le servir avec tes genoux. Tu n'as pas le temps pour critiquer. Tu n'as pas le temps pour pouvoir regarder qui que ce soit à gauche, à droite. Mais si tu n'as rien pour donner à Dieu dans le panier, tu es là pour intercéder pour la mission. Tu es là pour glorifier son nom, pour que son nom puisse aller en avant. Tu n'as pas forcément besoin de l'argent si tu n'as rien. Mais ton cœur. Et tu peux t'asseoir dans la chaise en train d'intercéder pour que le Seigneur bénisse davantage son nom. Donc c'est ce que le Seigneur m'a demandé. Tu peux aussi laver les bouches, tu peux faire tout ce que tu veux, mais ouvre-toi ton cœur totalement et dis à Dieu que je ne suis pas venu ici pour pouvoir voir quelqu'un, mais je suis venu ici, mon objectif total, c'est d'aller au ciel. Ce n'est pas pour voir des miracles et des mains de bon Dieu qui va te dire que je ne t'ai jamais connu, mais pour le chercher corps, âme et esprit pour ton salut au ciel, au nom de Jésus. On peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ. Je vous salue dans le nom de Jésus. Je remercie Dieu pour tout ce qu'il fait pour moi, pour ma vie, m'a délivré de la sorcellerie. J'étais initié par ma camarade. On partait à l'école ensemble. Chaque jour, j'étais à Diego avec ma grand-mère, de côté paternel. Chaque jour, on partait à l'école ensemble. On faisait tout ensemble, même on s'en avait ensemble. On gérait des épaules ensemble. Et son papa, élève des porcs. C'est comme ça, elle est mort dedans. C'est ça, sa maman nous a donné. Sa maman a fait, sa maman a préparé, elle ne savait pas qu'elle était sorcière. Et dans sa charge, mon père m'appelait au téléphone. Demain, je t'aime, il faut faire vite, tu vas venir à côté de moi. On va travailler ensemble. Il va payer la voiture pour toi. Tu vas dans la grande maison me donner des conseils. Chaque jour. Mais me donner des conseils aussi. Le jour que papa est mort, on a préparé. Elle et moi, on a mangé. Papa, c'était un homme. La nuit, il a dormi. Elle est venue me chercher. Je suis sortie de mon corps. Je me suis retrouvée dans le monde intérieur. Elle était assise sur une chaise royale. Maintenant, ils m'ont dit bonne arrivée dans le monde des ténèbres. C'est comme cela, je suis resté dans le monde de la sorcellerie. Pendant ce temps, si mon père m'appelait, qu'il ne faut pas rentrer dans la sorcellerie parce que à Dieu, là-bas, il y a beaucoup de sorciers qui sont sorciers. Mon papa m'appelait, me donnait le conseil, il ne faut pas rentrer dans la sorcellerie, évite la sorcellerie, il ne faut pas rentrer dans la sorcellerie. En fait, c'était déjà trop tard. Il était déjà dans la sorcellerie. Donc, ils m'ont demandé de gâter le travail de mon papa. Mon papa était à Abidjan ici. Mon papa était à Abidjan ici. Il me transformait en hibou, en chat, en serpent, tout sort d'animal pour partir attaquer mon papa. Dans ce aussi, il a séparé ma mère et mon père. Il a séparé ensemble. Non, c'était trop difficile pour moi. Moi, je pensais que c'était une vie meilleure que j'avais. En tant que l'ennemi, il a détruit ma vie. Satan ne met pas à la sorcellerie si les enfants de Dieu par hasard. C'est parce qu'il voit la bénédiction qui est sur toi qu'il te met dans la sorcellerie. C'est parce qu'il voit ton avenir qu'il te met dans la sorcellerie.
Je suis, chaque fois que je la vois, je suis content parce que elle aime Dieu profondément. Les gens sont venus la mettre parmi les enfants et disent non. Moi, c'est intercession de 7 heures de prière par jour là, que je fais. Et c'est ce qu'elle fait. Hein. C'est ça où elle est la responsable. C'est ça, n'est-ce pas? Elle fait 7 heures de prière par jour. Gloire à Dieu. Faut juste. Après, tu vas rendre un long témoignage. Gloire à Dieu. Moi, ma soeur, je suis partie à Abidjan sur mon papa. Il a fréquenté le CIO resté à classe de CE2. Il va passer en CIAM et ainsi venir terminer, c'est ici à Abidjan. Chez mon papa. Mon papa, il était maître. Maintenant, il a gâté son travail, il fait plus bon travail. Il travaille où on fabrique les boissons, tout ça là. On ne le paye pas bien. Tout ça là. Donc, il souffrait. Donc, ma soeur aussi, il a croisé une femme. Une femme. D'accord. Ta délivrance, tu vois, il y aura le temps, hein. Gloire à Dieu. Ta délivrance s'est passée comment? Quand on priait pour ta délivrance, qu'est-ce que tu as vu? Quand on priait pour ma délivrance, il y avait beaucoup de manifestations. Il y a la sirène des eaux aussi. Esprit des dragons. Esprit des chats. De la forêt. Des serpents. Alors qu'on a hibou. Tout ça là. Ils ont chassé ça en moi. Et le Seigneur a chassé ça en toi. Ok. J'ai dit merci à Dieu. Aujourd'hui, je me tiens devant vous. J'ai dit merci à Dieu parce que ce qu'il a fait pour moi, je ne peux pas raconter. Ce qu'il a fait pour moi est plus grand que mon imagination. Amen. J'ai dit merci à Dieu. Que le Seigneur Jésus-Christ soit béni. Amen. Merci à Dieu parce que j'ai eu ce cœur. Amen. J'ai eu un moment pour fêter Esther qui m'a pris comme sa fille. Et c'est pas Dieu a mis cet amour-là dans son cœur. Gloire à Dieu. Et des appels pour moi, malgré que ma famille m'a abandonné. Il a mis cet amour dans son cœur. Gloire à Dieu. Pour faire des appels pour moi. Et aujourd'hui, grâce à elle, et cet amour que Dieu a déposé dans son cœur. Et à chaque fois que je la vois, je ressens cet amour et je bénis le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour moi. Gloire à Dieu. Je dis merci à Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que sa grâce nous poursuive au nom de Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur te bénisse, prophétesse Esther.